Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre Shetland. Ça s'appelle Gaïa. Elle a 8 mois. Nous l'avons eue d'une éleveuse. Gaïa est on appelle ça aussi un mini collie. Donc, ce Shetland qui nous a coûté, c'est un chien qui coûte à peu près 1 200 $. Pour ceux qui se demandent est-ce que je devrais acheter un Shetland, qu'est-ce que je devrais faire, est-ce que je devrais aller vers une autre race de chien. Bon, les points forts du Shetland, ce que j'avais lu puis ce que je vois présentement, c'est des petits chiens qui adorent faire des tours. Déjà à 8 mois, là, elle comprend facilement là, des gestes comme un Gaïa tourne. Bon chien, assis, couché. Roule Gaïa. Donc vous voyez que c'est assez facile d'avoir des tours avec son chien assis. Mais ce n'est pas un chien qui est parfait. Là, donc très très belle. C'est un petit Shetland là, pour sa grosseur. Gaïa, elle pèse 12 livres. Donc ce n'est pas une très grosse Shetland. Sachez que c'est pas si colleux. Les femelles sont moins colleuses un peu, quoique super gentilles avec les enfants. Nous, on a 2 enfants à la maison, puis Gaïa, là, elle est très, très, très gentille. Elle mord pas, elle mordit pas beaucoup pour avoir déjà eu un labrador. C'est des petits chiens qui cherchent pas à manger les objets. Couché, Gaïa. OK, tu restes. Tu restes. Tu vas pas. Ça a été assez simple de montrer les tours. OK, Gaïa, vas-y. Parfait, bon chien. Assis, Gaïa. Le seul problème que je dirais, bon, on l'a fait opérer, c'est un petit chien qui ça a coûté à peu près 350 $ à faire opérer. Donc, c'est sûr qu'il y a un aspect financier à tout ça qu'il faut considérer quand on a un chien. Mais le seul point faible que je dirais du Shetland, Samuel, si tu veux cadrer, c'est que c'est un petit peu japeux. Comme par exemple, si on fait juste reste sur elle, Samuel, tu restes Gaïa. Avec l'essoreuse, c'est des chiens qui sont très nerveux, puis aussi quand même assez peureux. C'est ce qu'elle disait. Non, 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 Gaël. Viens ici. Bon chien. Non, non. Assis-toi. Assis. Bon chien, tu restes. Donc, sinon, c'est le seul inconvénient. Puis, quand les enfants courent, ça va japper. Mais c'est très joueur. C'est la seule chose que je pourrais dire sur le Shetland. Le reste, ça ne perd pas beaucoup son poil. C'est très doux, très enjoué. Et c'est très mignon, comme vous pouvez voir.